Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Sac Dream et aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode. On s'est arrêté avec cette méduse qui m'avait pris et du coup on se reprend directement à cette glissade qui est l'un de mes chapitres préférés étant donné comme je vous avais dit dans l'ancien épisode, j'adore tout ce qui est les glissades et ce niveau est consacré justement que à de la glisse. Ce qui rend quand même assez chaud la recherche des mots parce que les mots sont pendant la glissade. Il me semble qu'il y en a un qui est là. Ah voilà, notre premier mot est là. Hop. Il y en a trois en tout, pour ceux qui cherchent. Ça va où ils sont. Je vais vous les montrer. Une fois que vous descendez là, je vous conseille de partir directement à droite. Tout à droite. Sinon, bah, vous n'aurez pas le deuxième mot, ce qui est un peu malheureux. Et maintenant, vous allez directement à droite. Vous utilisez un saut. Et puis vous y êtes. Voilà. C'est magique. C'est facile. C'est journée. On était un peu speed le début de cette vidéo. On va se poser ici pour bien présenter les choses. Pour ceux qui viennent juste de regarder cet épisode, sachez qu'il y a le tout premier pour ceux qui veulent suivre l'aventure au complet. Il me semble qu'il y a un hiéroglyphe pas loin. Il est là, je pense. Ouais, il est là. C'est pas très visible. Ça, c'est pas très malin de leur part d'avoir fait des hiéroglyphes qui soient pas visibles. Il m'en manque une écharpe, je crois, activée. Celle-là. Allez! Faites-moi voler le plus haut possible! Alors pour les chasseurs de trophées, par exemple ici, le but de ce chapitre, il vous faut simplement traverser 15 arches. Donc pour ceux qui se demandent c'est quoi les arches, c'est ces choses-là, là. Je vais passer en dessous d'une. Voilà, il faut que vous passiez sur 15 de ces arches. Mais nous, on va se concentrer sur les mots. Parce que le troisième est très bien caché sur ce monde-là. Hop. Et il faut prendre cette petite pierre-là. Et ces petites méduses, ou ces raies plutôt, vous aideront à y aller. Hop. Il est juste au fond. Faut pas le rater. Bien sûr, si vous vous concentrez sur les mots pour ce chapitre-là, vous n'aurez pas le trophée des 15, parce que pour les 15, il faut passer à droite, et pas à gauche comme moi j'ai pu faire. Il faut partir tout à droite. Il y a beaucoup d'arches. Il doit y en avoir 5 ou 6 à traverser. Ce qui fait avec celle qu'on a déjà traversée, et qui fait à peu près 15, si on les traverse toutes. Regardez comme c'est beau. Ce jeu de lumière avec le sable. Ah là là. Par contre, le sable qui bouge comme ça fait assez flipper. On dirait qu'il y a quelque chose en dessous, c'est assez perturbant. Hop. On croirait qu'on se baigne avec des dauphins, sauf que c'est pas des dauphins. C'est triste. Des dauphins de sable, on va dire. Mais moi je suis un thug, moi je glisse pas. Je saute. Oh. 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 Nous descendons dans les tréfonds. J'ai pas rencontré de joueur encore, c'est bizarre.
Quant au dernier hiéroglyphe, faut pas être pressé de vouloir partir, étant donné qu'il est juste à la fin. Il se cache ici. Ces coquinous ont cru qu'on n'allait pas le voir. Mais rien n'échappe à Sack Dream. Rien. Pas même les hiéroglyphes. Hop! Et c'est notre troisième chapitre qui est terminé. Les chapitres sont assez courts, comme vous pouvez le constater. Certains sont beaucoup plus longs que d'autres. Il me semble que celui qui va arriver est très très long. Sauf si on le rush, bien sûr. Si on veut le finir comme un bourrin, là c'est clair que en 2-3 minutes on peut le terminer. Mais vu que nous on va chercher les mots et les hiéroglyphes, ça va nous prendre un petit peu plus de temps. Oh les vilains, ils ont arraché les écharpes. Voilà. Pour la peine, vous avez perdu vos écharpes. Un monstre rôde dans cette grotte. Mais de quoi s'agit-il? Avec la lumière, ça fait tellement blanc que ça fait mal aux yeux. Je me sens si seul. J'ai pas d'amis, pas de compagnon avec qui voyager. Ah, d'habitude, je croise tout le temps quelqu'un. Là, y a personne. On a croisé un au premier. Je crois qu'il y a un mot ici. Non, y en a pas. Vilaine petite raie, tu m'emmènes dans des mauvais endroits. Je sais qu'il y en a juste un là. Je croyais qu'on l'avait pas vu. Ah oui, ici. On peut voler illimité. Pour vous recharger, il suffit juste de toucher ça. Hop. Vous leur mettez un petit coup de tête et c'est parti. Hop. Il me semble qu'il y a un hiéroglyphe pas loin. Il me semble, j'ai bien dit. Si je dis pas de bêtises, il y en a un pas loin. Eh ben non, je me suis trompé. Chose qui arrive. Faut monter, monter tout en haut. Ça, c'est des méduses par contre. Je crois que le hiéroglyphe, si je dis pas de bêtises, en fait, il est juste tout en bas. Sauf qu'on n'y voit que dalle. Non, il n'est pas là-dedans. Faut remonter vers la lumière. L'écharpe est tellement longue.
On n'en voit plus la fin. Alors pour ceux qui se demandent, je l'ai pas dit au début du chapitre pour éviter de spoiler un peu ce qui va se passer. Mais pour ceux qui se demandent quel est le trophée de ce chapitre, vous allez comprendre dans quelques minutes de quoi il s'agit. Ne me dis pas que c'est un joueur qui crie là-bas. Non, c'est une raie qui m'appelle. Nous sommes face à une créature dangereuse. Le trophée, il faut simplement esquiver cette créature. Oh! Non! Crie pas, il va venir! Espèce d'idiot. Idiot, c'est nul qu'on peut pas le dire. On va dire que cette grotte est remplie de statues comme celle-ci. Et ces statues raffolent d'écharpes. Alors autant vous dire qu'il faut pas trop leur taper la causette. Donc si vous êtes en coop avec un ami, je vous déconseille de crier. Ça a tendance à les attirer. Viens là, mon chou. Je vais t'aider à pas mourir. Et donc du coup, je sais pas si je l'ai dit, mais le trophée de cet endroit-là consiste à ne pas se faire bouffer un seul morceau d'écharpe. Donc, faut la jouer discretos. Mais je ne sais pas vous, mais moi, cette créature me fait penser à celle de Atlantide. Elle est très ressemblante. Je l'ai un peu abandonné, le mec. Désolé. Mais moi, je veux pas me faire meurtre, alors je l'esquive. Et en plus, il me semble qu'il y a un hiéroglyphe pas loin. Ah, il y a un mot là, ici. Juste ici. Il me semblait qu'il y avait un hiéroglyphe pas loin. Vers la gauche. J'ai peut-être raté. Ça m'intéresse pas trop de faire demi-tour pour le chercher. Y a quoi ici? Chaud. Mangez pas! Ne mangez pas! Boum! La lumière et ma force. On n'a pas ici. Il y a une petite lumière là. Avance. Et du coup. Du coup, voici. Enfin venu. Salut. Tu regardes comme si. Ouais, bon, bah, je peux casser. Hein. Ils sont super leurs dialogues. T'as vraiment, vraiment bien s'amuser quand ils font des fêtes entre eux. Très bavard. Même les hiéroglyphes, ils sont beaux. Mais c'est moi. Enfin, c'est censé être moi. Mais on va pas le dire, j'ai un peu triché. Je suis pas censé être blanc. Je suis censé être orange, orange café. Je suis un imposteur.
Bon, est-ce que mon poteau il est arrivé? Je crois que malheureusement il s'est fait bouffer. Il était jeune. Mais bon. Faut se rendre à l'évidence. Il n'était pas fait pour ce monde. Alors on se casse. Putain, mais il y a un nœud sur mon écharpe, ça me perturbe. Elle s'est fait un nœud toute seule. L'écharpe maudite. Qui se noue avec tout. Même avec elle-même. Ah, d'un coup, elle est redevenue toute lisse, hein. Elle est redevenue toute lisse, là, hein. Bon, et eh bien, c'est sur cet endroit-là qu'on va se faire une petite coupure, hein, pour se retrouver pour le troisième épisode. Qui sera sans doute le dernier. Mais au moins, ça permet tous les deux chapitres de couper. Donc, sur ce, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à la liker, à la commenter. Vous savez, comme d'habitude, tout ce que vous pouvez faire. Oh, nous avons un poteau! Salut! Salut, 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 salut! Et sur ce, on se retrouve pour la prochaine vidéo, bah, qui va être tout de suite, hein. Donc, du coup, on se fait des petits bisous. Allez, ciao! Un petit cri pour la fin. Ouais!